Yo les mecs, c'est Chinois Fou, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit concept qui va vous régaler, j'espère. J'ai contacté Sirop d'Érable Sketchup, qui nous a régalé de 3 boards. Donc, du coup, les gars, je suis juste devant Sirop d'Érable Sketchup. Je vais récupérer les lots de la vidéo et on va voir ça. Salut! C'est carré les gars, sirop d'érable il a lâché 3 boards. Donc il y aura 3 défis dans la vidéo les gars. Le concept, on va juste aller faire kiffer les skateurs bordelais. Parce que Bordeaux c'est une ville de skate. Donc on va faire des défis dans Bordeaux qu'on va balancer sur Insta. Et les premiers qui réussiront le défi gagneront une superbe board. Il y a tout, il y a une board en 8, une board en 8,125 et une board en 8,25. Donc il y en a pour tout le monde, on va en faire pour tous les niveaux aussi. On va y aller crescendo sur les défis. Donc c'est parti, on va aller se pavaner dans Bardo. Pour suivre ce genre d'event, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, FXBrio ou Chinofou. Et on est parti, on va dans Bordeaux. Bon les gars, premier défi, ça va être tout simple. C'est pour les débutants, comme ça il y en a pour tout le monde et on monte crescendo. Ça va être tout simplement, on est devant Sirop d'Érable Sketchup. Le premier qui arrive, là on va faire la story, le premier qui arrive à Sirop d'Érable, il choisit sa board. On en a 3, c'est carré, on va faire la story les gars. Je sais pas du tout combien de temps ça peut prendre à ce que les gens viennent. On va voir si les Bordelais sont réactifs. Les gars, si vous voulez gagner des boards, elles sont juste ici. Je suis devant Sirop d'Érable Sketchup, le premier qui vient. Et bah il gagne sa board les gars. Dépêchez-vous les mecs. On va poster ça, on va voir combien de temps les gens mettent à venir. On a mis la story à 5 minutes. Je pense moi ils vont ça va mettre 15 minutes à ce que la première personne arrive. Tu dis combien de temps Anissa toi? 15-20 minutes pour Anissa. Pablo tu dis combien de temps toi? Vas-y mec, moi je dirais une petite demi-heure. Une demi-heure? Une petite demi-heure, non, ouais je sais pas à voir. Là il y a eu 29 vues sur la story. Bon, ça fait 10 minutes qu'on attend. Dépêche pas les Bordelais. Hein. Ils sont pas à l'affût, les gars. Il y a des mecs qui arrivent là, on va voir. Attention, le suspense c'est à son con. Vous avez vu la story, les gars? Allez, bon, bah, on a notre premier gagnant, les gars. Tu t'appelles comment? Arthur. Eclipse, et les gars. Bon, bah, mec, t'as gagné. Hein. 10 minutes, mec, bien joué à toi. Ah putain, j'ai tracé. T'as vu la story direct? Ouais, bah ouais. Avec, en gros, il y a 3 boards à gagner sur le concept. Là, c'était le premier truc un peu accessible à tout le monde, il y a pas d'autres trucs. Donc, je te laisse choisir la board. 825, 8 en rouge, 825. Ça va prendre 25. Mec, c'est le destin, regardez la board, elle est craquée. J'ai pas plaisir d'offrir la board à un mec qui a pêché sa board. Ah, super. Une board irrepérable. Tu gères, mec. Ça gère égal. Ah, et peut-être qu'il gagne une deuxième board, hein. Je sais pas, il y a d'autres défis, ça va être plus dur les autres défis, mais ah ouais. Ça régale. Vas-y, je suis chaud. On peut faire une petite story ou quoi? Dans le choix, je peux faire. Vas-y. Là, tu es devant le choix. C'est bien, ça. Nickel, t'as un tas? Ouais, c'est ça. Ah, ouais, merci, bon. Bon, allez, on va au deuxième défi, les gars, ça va être au miroir d'eau. Les gars, la première board, elle a été gagnée en 10 minutes, hein. C'est cool. La direction, le miroir d'eau. Le deuxième défi, ça va être le premier qui met flip sur les 7 marches. Du coup, on step up un peu le défi. Normal, c'est des boards quand même, les gars. Le spot iconique de Bordeaux. Pas grand monde pour le moment, donc on va se poser à côté du spot. On va mettre la story. Et là, du coup, on va voir enfin du skate, les mecs. Du coup, le trick à faire, le défi, ça va être flip sur les 7 marches. Ça va être quelque chose, on va se poser là, nous. On va boire un peu de bière en attendant. Et on fait la story, non? Ok, les mecs, deuxième défi, on est au miroir d'eau. Le premier qui vient foutre son kickflip sur les 7 marches, il gagne sa board les mecs. Il reste 2 boards à gagner, 2 défis, on y va crescendo. On vous attend les mecs. Bon les gars, ça fait 20 minutes qu'on attend là. Les skateurs bordelais sont pas réactifs. Il y a des mecs qui sont venus mais ils n'avaient pas de board. Dommage pour eux, ils allaient à Darwin évidemment. Donc on attend toujours. Et je pense que si d'ici 5-10 minutes il n'y a personne, on va aller prévenir les skateurs pour leur laisser une chance quand même. 30 minutes qu'on est là, personne à l'horizon. Au final, la communauté bordelaise n'est pas si réactive. Donc on va changer de défi. On va juste dire faire un tricks, que ce soit une rotation, quoi que ce soit, un trick sur les 7 marches. Pour le dernier défi, je voulais faire quinconce. Je pense qu'on va changer parce que ça va être un peu trop élevé pour gagner la board. Pour qu'on trouve un nouveau défi là pour la dernière board. Parce que quinconce, ça va être un peu trop gros, je pense. Tu penses à quoi, toi? Je sais pas, on peut aller voir Hôtel de Ville. Ou alors on peut aller ouais, grand théâtre, sinon il y a des trucs aussi. Un énorme board slide, mec. Où ça? Je sais pas. Bah c'est que André Meunier, ouais, c'est loin. Ouais, c'est vrai que c'est loin. Il y a un mec qui vient d'arriver. Du coup on a changé, on fait juste un trick parce que c'était trop compliqué flip. Il veut tester backside sur les 6-7 marches, on va voir si ça rentre. Il le met le gars ou pas? Il a pas de concurrence en plus. Moi je pensais qu'il y allait avoir galère de monde et tout.
Vas-y, bonne chance, mec, hein, t'as pas de concurrence. Hein. Vas-y, hein. Tu l'as jamais mis là. Tu l'as jamais mis. Non. Allez, un max de force. Vas-y, mon gars. Tu l'as, gros, tu l'as. Avec on va chercher cette droite. Let's go, on pire au dérable. Ah oui, ok, t'as bien fait. Je me tâtais à l'escater. Du coup, il te reste 8 ou 825. 825, vas-y. Ah mec, bravo à toi. Buzz, gros, merci. Hein. Merci beaucoup, gros. On fait quoi du coup pour la dernière board? Est-ce que on se balade dans Bordeaux, on essaie de. Le premier skater qu'on voit, on lui propose un défi? Ouais, je pense que c'est le mieux. Fais ça? Ouais. Vas-y. On va vers le centre? Ouais, vas-y. Ok, il reste une board à gagner. Ça fait plaisir de régaler les skaters bordelais. Ce qu'on s'est dit pour le dernier, je voulais faire qu'un conse à la base, mais ça va être un peu trop chaud. On va juste se balader dans Bordeaux. La première personne qu'on voit, on lui laisse 3 essais pour faire 5 flips d'affilée. Ça le fait, ça, en vrai? Non? Ouais, ça le fait. Okay. Bon, les gars, il reste une board à gagner. Ce qu'on va faire, on s'est dit, je vais juste me balader dans Bordeaux. Le premier skater que je vois, et on lui propose un défi et il gagne la board. Today, I give a board to the skateboarder in the town. Do you want to have the challenge or what's the challenge? The challenge you have 3 tries to do 5 kickflips in a row. Yeah. You want to try? It's free. Okay. On est tombé sur des Anglais. Ils vont faire le challenge. Du coup, 3 essais pour faire 5 flips d'affilée. Okay, one. Do you want to try? Ok, de là. Last kick flip. What is your name? Okay. Well done. You have a SketchUp. It's from a local SketchUp. Can I take a picture of you for the SketchUp? Step. Thank you. What's your YouTube channel? Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé le concept. On est tombé sur des Anglais. C'était un peu galère, hein. J'ai l'impression que les skateurs en ce moment ils sont un peu en train de boire des coups. Ils skatent plus trop. Mais on a donné les 3 boards au Bordelais. J'espère que vous avez kiffé le concept. Abonnez-vous, merci à Pablo pour le filming. Merci à Anissa d'avoir été là. Et on se retrouve quand je ressors une vidéo. Je sais pas quand. Ciao.